Ça vous plaît? Ça vous plaît? C'est moi qui le fais. Hey, ça y est, on est le 8 juin, c'est le départ. JDA aujourd'hui, donc je suis au point de rendez-vous, Sandra vient me récupérer, c'est une bonne chose. Donc voilà, Sandra elle va arriver, on décolle pour Toulouse. J'ai eu un appel de mon amie Déborah, très vieille amie Déborah, quelqu'un que j'aime énormément, avec des beaux messages d'encouragement, et elle m'a rappelé un truc essentiel. Il y a 3 ans, j'étais perdu dans ma vie. J'étais vide, j'étais inexistant, j'étais effacé parce que j'étais pas acteur de ma vie. Et c'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui à la JDA. Bon ben voilà, ce sera pour là ce soir. Voilà, on y est. Non mais tu peux venir Maïlan, parce qu'on était en train de dire justement qu'on faisait moins les malins d'un coup, parce qu'on regardait derrière, c'est là. Mathilde, viens, parce qu'on fait moins les malins nous aussi. Viens, venez, on fait tous moins les malins d'un coup là. Voilà, c'est derrière. Voilà, c'est derrière. On commence à être comme ça tous là. Voilà. Maïlan, est-ce que tu veux bien refaire ça pour mon vlog après sur YouTube, s'il te plaît? Ouais. Alors voilà, ça c'est les gens qui commencent à faire la queue pour nous. C'est... Voilà. Oh mon dieu. Eh mais faut que vous voyez ça, c'est un truc de ouf. Eh les copains. Ouais, je vais faire la même. Ah, ça va démarrer, on sort la spa. Je pourrais présenter le prochain intervenant comme un héros audacieux de cet événement. Il est à la recherche constante de la magie qui se trouve en chacun de nous. Mathieu Boinet. Je suis là devant vous ce soir parce que j'ai compris où je vous emmène avec cette histoire. Après tout, cette histoire... On s'en fout. Pourtant cette histoire, certains attendent qu'on leur dise qu'ils sont prêts. Félicitations. Certains attendent d'avoir plus confiance en eux, d'avoir plus d'estime d'eux-mêmes, d'avoir plus de compétences pour passer à l'action. Continuez à attendre. Ah si si, je vous jure. Attendez, vous savez quoi? Rien de genre. Trop tard, ça n'existe pas. Trop tard, c'est quand vous avez déjà des regrets. Le bon moment, c'est celui où l'on choisit de passer à l'action. Alors si vous êtes prêt aujourd'hui à passer à l'action, je vais vous demander de vous lever. Et dans une semaine, par Facebook, par mail, vous m'enverrez une photo, un texte de votre passage à l'action. Parce que vous avez tous ce pouvoir en vous de réaliser vos rêves. Parce que vous avez votre vie dans vos mains. Merci. Thank you.
sais pas vous, mais nous, personnellement, avec Yana, on a pris un sacré paquet de claques ce soir. Et je pense que même pour demain, les speakers de Bifond ont vraiment mis la pression en fait, aux speakers de demain qui sont dans la salle. Voilà, ils sont partis réviser leur pitch d'ailleurs. Oui, invitons les speakers sur la scène. Mathilde, Meylan, oui, on peut les applaudir. Oui, oui, on peut les applaudir. Mathilde, Meylan, Maxime, Mathieu, Jason. Alors, bravo aux speakers. Bravo à vous. Merci et je vous dis à demain au Casino Théâtre Barrière de Toulouse. Wouh ! Eh, vous savez quoi, ceux qui le veulent, venez nous rejoindre. Pardon, les questions ! Tu tapes dans l'air ! Salut ! Tu tapes nous suivre ! Voilà, c'est ça. Grâce à toi, on va faire les sommets de la galaxie. Eh ben, au-delà, parti pour au-delà, alors ça marche. Merci. C'est parti. Allez, les speakers de Bifond ! Max, qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que tu veux ? Eh ben, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, alors ce sera possible. À bientôt. Hello les amis, juste ayez foi en vous, croyez en vous, en vos rêves et faites ce premier pas, passez à l'action, vivez vos rêves. À toi, un message, à toi. Et passe à ton voisin après. Ok, super. Vas-y. Salut. Pour nous, c'est rester unique. Même unis, important ça. Exactement. Et j'ai un autre message personnel à vous faire passer aussi, c'est feel the fear and do it anyway. Ressens la peur et fais-le quand même. Voilà. Je fais pas d'où. Faites sortir la Gisèle qui est en vous. Dis ce que tu veux. Manger du chocolat, buvez des mojitos, kiffez la vie. Et voilà. Bah moi je sais pas quoi dire. Ça c'est bien aussi, ça s'appelle l'unité, la sincérité. Voilà, je sais pas, amusez-vous, voilà. Voilà. Amusez-vous. Y'a des autres. Bonjour, bonsoir. Un message, qu'est-ce que t'as envie de dire là maintenant? Pour eux, un message pour les gens qui vont te regarder. Putain, mais kiffer la vie, bouffer la par le cul, s'il faut voir. Ah ouais. Ok, moi je refais un message, que j'étais pas satisfait du premier. Juste, voilà, la preuve, c'est que vraiment en étant unis les uns les autres, vraiment avoir un impact, et voilà, vraiment rester unis, mettre en lien toutes nos compétences. Ça y est, on est dimanche, c'est fini depuis hier soir. La JDA, qu'est-ce que je pourrais en dire ? Une grande expérience, une expérience de cœur, une expérience humaine. Il n'y a pas vraiment les mots pour décrire ça. J'ai rencontré mes camarades de scène. Je connaissais déjà bien sûr mon amie Sandra, je connaissais un petit peu Maïlan, on s'était aperçu sur un événement. Et là on a vraiment créé un lien dans cette volonté commune de transmettre et de partager nos clés, notre vécu, nos expériences, que vous aussi vous sortiez de là grandi. Et surtout je pense que l'intérêt dans tout ça, c'est pour finir, vous ne perdiez pas autant de temps que nous on ait pu en perdre, parce que on est passé sur certains chemins avant vous. Alors bien sûr, on doit tous faire nos expériences, mais si vous pouvez les traverser avec des clés, vous en sortirez encore plus grandi, encore plus fort. Et cette JDA, elle a mis tout ça en avant, cette journée de l'audace pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vous recommande tous vivement de vivre ce genre d'expérience, que vous soyez sur la scène ou dans le public. C'est grand et je pense que j'en parlais ce matin avec mes camarades de scène au petit-déj,
Les humains qui ont envie de changer le monde, ils sont là. Ils se regroupent de plus en plus. Alors ne vous cachez plus, n'ayez plus peur de ça. Et faites ce premier pas en avant pour prendre votre vie en main, pour changer de vie et pour réaliser vos rêves. Je vous aime fort.